Absent de l'antenne depuis qu'il avait pris la décision de quitter l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue, qui est désormais présentée par Raphaël de Casabianca, Frédéric Lopez a effectué son grand retour sur France 2 dimanche 23 octobre 2022. Ce jour-là, l'animateur a lancé sa toute nouvelle émission, baptisée Un dimanche à la campagne, à partir de 16h55. Ce nouveau programme dominical reprend en grande partie le concept d'une de ses anciennes émissions, La Parenthèse Inattendue, qui fut diffusée quotidiennement en début d'après-midi sur France 2 par le passé. Une rencontre à la fois détonnante et pleine d'émotions entre trois générations et trois univers bien différents. Quelque part loin du tumulte, avec Frédéric Lopez, ils se sont retrouvés le temps d'un week-end. Un moment hors du temps pour se rencontrer et pour parler d'amour, d'amitié, de la vie. Dans une maison ouverte à l'inattendu et aux visites surprises, entre émotion et fou rire, chacun dévoile le fil invisible de son histoire pour un dimanche à la campagne qui ne ressemble à aucun autre, a indiqué France 2 dans un communiqué. Le prochain numéro inédit du programme sera diffusé dimanche 25 juin 2023, à partir de 16h55 sur la chaîne publique. Un dimanche à la campagne, trois invités autour de Frédéric Lopez sur France 2 après avoir accueilli les comédiennes Charlotte de Turckheim et Barbara Schulz, ainsi que les rappeurs Big Flo et Oli lors du tout premier numéro de l'émission Un dimanche à la campagne, Frédéric Lopez avait convié les actrices Michel Bernier et Sophia Essaidi, ainsi que le magicien Fabien Olicard lors de la deuxième édition diffusée dimanche 6 novembre 2022 sur France 2. À l'occasion du 16e numéro du programme, le présentateur recevra trois nouvelles personnalités. Il accueillera notamment l'humoriste Mathieu Madénian, la romancière Mélissa Dacosta, mais aussi la comédienne Valérie Carsanti, principalement connue pour son rôle de Liliane au sein de la série courte humoristique Scène de ménage, diffusée depuis 2009 sur M6. Stay.